Épisode 11, salut à tous, c'est Thiob. Alors, ah, on a perdu Volchi. Ah bah, les Istres, à peine on s'en débarrasse, qui reviennent quoi. Putain, oh la vache, par contre, ils sont venus de loin. Ah non, c'était l'Irpin. Et on a perdu on a perdu le commerce, eux ils sont fait fumer. J'ai du mal à trouver le mot. Bah tant mieux, ça me permettra de récupérer cette ville. Hop. Ça commence bien. Voilà, on rase. Oh, il y avait une belle armée en plus. Hein. Elle était bien entraînée comme il fallait, hein, celle-là. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait du rang 2. Il y avait du rang. Pardon, il y avait du rang. Du rang argent. Et bah, ça déconne, 0. Oh là. Ah oui, il y avait vraiment. Allez, hop, on va remonter là aussi. Là, on voit qu'il y a. Il y a Tony Montana, là. Il est pas content. Attends, ils sont où? Ouais. Eux, bon bah eux c'est fini d'eux. Il en est fini d'eux là. Soit ils débarquent, ils se font fumer, soit ils débarquent pas, ils se font fumer. Moi je serais eux, je serais tenté quand même là. Je tenterais quand même de rester sur Terre. Enfin de débarquer le plus vite possible. Ils ont un peu plus de probabilité de s'en sortir. En restant sur la terre ferme quoi. Ok, un peu de construction à faire, c'est bien. Hop, là on avait pris, ça c'était bien. On va pouvoir remonter à Adria. C'est qui ça? Ouais. Et ah bah j'allais le faire, c'est le siège de Alba. C'est quoi, c'est un thé? Fusain, Fusan, Fuken. Je suis pas sûr. Mais bon bah non. On va faire le siège de Rome à la place. Allez hop, c'est parti. Oui, oui, allez. Bon par contre qui dit siège de Rome dit je récupère au moins mes espions pour faire un peu d'assassinat de tous ces saloperies d'agents qui vont vouloir mettre sur mon dos. Donc là je fais le tour, je vois s'il n'y a pas moyen de. Ah. C'est encore. Bon. J'ai fait tout ce que vous vouliez et plus. Non, non, veillez, ça allait un peu plus vite. Voilà. Parce qu'il me fout Rome. Rome ne s'est pas faite en un jour. En 2-3 jours, c'était fait. Oui. C'était plié quoi. Romulus, Rémus, hein, ils étaient deux. Ouais, je rigole, je rigole. Ils sont combien? Non, parce qu'il est tout seul. Est-ce que je ferais pas un petit débarquement hostile? Non, la Tarquinia. Ah oui, mais là, c'est leur armée absolument bousillée là. C'est couillon là. On va débarquer par là. Voilà. En même temps que je débarquerai, en fait, j'irai direct sur la ville, donc dans Vultana. Valtuna, pardon. Et eux, je les ferai aller à Fifluna. C'est parti. Eh ben ou pas. Hop, Shiana. Beau parleur, hein, toujours. Augmenter ses relations de manière. Viable. Non, ça. Non, je me proposais de la thune il n'y a pas si longtemps. Hein. Ouais, donc comme je disais, elle a tenté sa chance sur la terre ferme. Ah mais non, pas du tout, attends. C'est où ça? Barion? Bah écoute. Ah ouais, mais c'est juste une petite flotte. Ah ouais, non mais. Oui, ils se sont dit tiens, on va essayer. Et puis, bah non. Allez, par la queue entre les jambes. Voyez cela comme un investissement pour. Non plus. Mais c'est quoi ces voix de pleutre? Paix négociée avec les Volchi. Mais ils sont où les Volchi? Alors je veux bien, mais ils sont où les Volchi? Ah ouais, d'accord, il n'y en a plus, hein. Il n'y a plus de Volchi, hein. Ouais, ouais. Hop, alors, on vérifie. Tarquinia, voilà, ce genre de merde. Ah,
j'ai pas la, portée. Bon. Ah, j'ai pas pu passer le tigre. C'est dommage. C'est pas grave, on va prendre cette petite, ce petit village de campagne. Voilà, on rase tout ça. Je pense qu'on devrait pas être trop mal là avec les villes rasées, le nombre de villes rasées. Ça veut dire on avait comme objectif de raser un. Ah bah c'est parfait, 31. Voilà. Pas besoin de plus. Maintenez des unités navales. Ouh. Oh, mais attends, pourquoi je gagne si peu? Ah oui, c'est l'hiver. Et qui dit l'hiver dit beaucoup moins de d'argent par l'agriculture quoi, forcément. Ah, je vous fais pas de dessin. C'est hop, voilà. Très bien. Là j'ai un espion, hein, autant qu'il serve. Voilà, assassinat. Chut. Voilà. Combien? Non, parce que là il y a quand même une belle armée. Hein. Vous savez quoi? Je prends la ville. Oula, attendez, je prends pas la ville. J'ai pas vu qu'il y avait une seconde armée ici. Je vais monter une armée de d'urgence. Hop. Ah bon, on va rétablir l'héritage, hein, ce qui paraît. Bon, on va monter une petite armée de mercenaires. Parce que là, je l'ai pas vu venir ça. Pourquoi je me suis mis en marche forcée? N'importe quoi. Ok, là on est bien. Ok, là on est bien aussi. Hop, on va faire ça. On va faire ça avec les... Merde! Hey, j'ai oublié de les poursuivre. Ah mais c'était pas eux alors que... Nos coffres sont temporairement vides et nous nous demandions si vous pouviez faire une petite contribution. Petite, oui, oui, oui. Te payer 4 fois ton PIB, pas ouf. Hein. C'est... Enfin pas ouf pour moi, hein. Bien pour toi, mais pas ouf pour moi. Hein. Quand je dis 4 fois ton PIB, si je dis... Ouais, bon, t'as pas abusé, mais à peine abusé. Hop, allez. Exactement. Exactement. Allez, agressif, pas de survivant. Hop là, attends, cette armée, elle va commencer à... Enfin, cette flotte... commencer à être efficace. Ah oh, c'est bête, il manque que dalle. Hop. Allez, domination, dernière recherche militaire que je puisse faire. Alors là, là va falloir être bon. Ah mais je suis con, c'était un allié en plus. Ah, j'ai bien fait de pas attaquer ça. Bah ce que j'attends de toi c'est ouais lui là, lui. Assassine-le un coup lui. Voilà. Je sais que c'est fait. Là ce côté là. On avance. Vas-y, on est sûrement équilibré. Et on rase. Pourquoi je rase? Bah, de toute façon, faut bien refaire tous les bâtiments. Donc. Tant qu'à faire, j'ai envie de dire.
Autant le faire bien. On avance. Et on se met en mode fortifié en espérant qu'ils viennent attaquer eux. Ça a bien défendu du coup en résolution auto. Protection, pas besoin de plus. Attends, on va voir si j'occupe, ça fait quoi? Ah, ouais, ça garde, d'accord, ouais, allez. Ouais, ça c'est de la merde par contre. si, allez, je vais garder une petite armée de mercenaires ici, c'est pas très très grave. Hop, et là je protège au cas où. Il y a une petite armée qui pop, ça peut arriver ça. C'est un accident de parcours quoi. Alors, les protecteurs de la lune, ils ont up, c'est très bien. Enfin, ah non, c'est mon amiral qui a up, c'est bien quand même. Eux, ils ont pris la ville sans trop de pertes, c'est pas dégueu non plus. Préantium. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est... c'est mon allié qui attaque. Hop, résolution. Mode protection, je veux pas avoir de pertes. Si possible, vraiment éviter les pertes. Ça a l'air d'être allé. On prend tuer captif. On veut plus en avoir. On a l'ombre du la bannière ici. Et Massaelis, hop, ah oh bah salut les gars, ça farte. Si je vous attaque, dis ça passe. Ça passe bien. Allez, hop. Ça fera quelques esclaves. Ah bah non, j'ai même pas le choix de. D'accord. Ah bah je me disais, c'est, ça tombe bien. Ah non. Ça, ils veulent pas. Ils sont quoi? Ils sont en déplacement rapide? Mais c'est quoi ces couillons? Si je fais un assassinat là et que j'attaque. Bah ouais. Je comprends pas le trip. On aurait dû en esclavage, à skip, les Romains sont de bons esclaves. Ça va passer là. Ça passe. Bon, alors, ça reste quand même le Capitole. Hein. Donc, j'ai deux attaques à faire. Voilà, mode équilibré. J'en profite pour tuer ceux qui sont à côté. Et le tour prochain, ce sera Rebelote. Je vais savoir s'ils sont beaucoup eux ou pas. Ouais, il y a du people. Hein. Parce que. Attends, c'est qui ça? Ouais. Ouais, j'aurais pas la portée. C'est pas très grave. Ah, quoique, eux par contre, j'aurais la portée. Yes. Ça me va. Ouais, c'est de l'allié ça. Donc, ouais, ce que je vais faire, hein, c'est hop. Ouais, je vais leur donner un coup de main au cas où. Ah, si j'avais su, j'y serais allé aussi. Je l'avais zappé celle-là. Hop! Ah, voilà, voilà, voilà. Toi, amigo, t'es bas. Tarquinia. Et tu prends la capitale. Bon, il la défend pas, je sais pas. C'est... Mais bah, faut bien qu'il y ait quelqu'un dedans, quoi. Ah, j'aurais dû raser. Ah non, ça passe. Non, ça passe pas du tout. Ouais, Tarquinia mieux vaut les raser, apparemment. Voilà. Ça, on a un bien bon pied à terre. Là, on a bien la côte. On va bouffer les Roms tranquillou bilou. Et on ramène des bouteilles de rhum.
Si vous insistez, qui me dit. Je suis plié. Oh, ça tombait pile comme il fallait ça. On termine le tour ou pas. Effectivement, ah, ouais, j'ai peut-être pas augmenté bien ce qu'il fallait. C'est pas grave. Seuls les plus jeunes et les toujours plus la paix. Ne peuvent pas propose du fric, mais bon, c'est pas intéressant ça. Le peuple et les prêtres sont d'accord non plus. Pour affirmer. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter, les gars. Ah, moi j'en ai un qui a mouru de vieillesse, hein, ça arrive. Introuvable. D'accord. Ah ouais, bah il est parti se balader, les gars. Il a pris une vie, il est parti se balader. Hein. Il a vu une merveille, il a vu les termes là, il s'est fait allez pas les gars, je vais aller me baigner. Les gars. J'en ai ras le cul. Démerdez-vous. Oh putain. C'est tellement plausible en plus sur certains points quoi. Allez, résolution automatique. Hop, équilibré. Et on a fait tomber Rome. Et on l'occupe. C'est quand même une belle ville, on va pas la raser. Surtout que Rome. L'oracle d'Albunea. Plus de taux de recherche. Capitole aussi, hein, c'est pas mal ça. Hop, allez, on va faire plein de. Faire ça, et puis. Ouais, pour le reste, c'est bon. Et vous, bah, vous, tu vas m'aider en. Alors, à Ostia, en prenant Ostia. Voilà. Ah, j'ai perdu une unité. Bon, comme ça, coup pour coup, on prend les deux capitales. Enfin, une capitale qui devient. Qui perd son rang de capitale, puis qui. Le donne à une autre ville qui cette fois perd aussi son rang de capitale qu'elle venait de prendre. Bref, c'est compliqué, mais vous m'avez suivi. Enfin, peut-être pas. Je vous en veux pas. Latium, on peut faire un édit. Voilà, ce sera de la bouffe. Tout pareil, la bouffe c'est très important, très très important. Voilà. On vérifie qu'on n'a rien d'autre à construire nulle part. Bingo. À moins que. Hop, fabrication d'industrie, c'est bien. Ah oui, là il y a à développer là. Là, là. On a de la thune à investir là, par contre. Et ouais. Faut bien augmenter notre culture. Alors. Ce qui fait que là il nous manque tout ce qui se trouve là. Après il me faut Nurage Polylobé. Ah, Nurage et Polylobé, oui d'accord, c'est les. C'est les villages ça je crois, ou une ville, ou je sais plus trop comment ça s'appelle même. On n'est pas loin, on n'est pas loin de. On n'est pas loin de la victoire. Hein. Bah du coup, je vais sûrement monter une armée là. Je suis pas fan de genre de move, mais bon, j'ai pas trop choix, sinon. Bah j'ai pas le choix du tout en fait. j'ai pas trop le choix sinon, c'est j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre la ville. Et je montrerai voilà, je ferai des balistes et puis basta quoi. Ça sera un truc éclair. On termine le tour. On termine le tour, on aura réussi à prendre Rome, ça c'est pas mal du tout. Hein. Comme ça. On a fait tomber bah, sûrement l'ennemi le plus redoutable, hein, c'est bête à dire, mais au niveau armé, bah il n'y a pas photo. Bien badass hein.
je fais un petit tour des bâtiments. Et puis on va s'arrêter là. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain épisode demain. Et à mon avis, il va rester quoi? Peut-être entre 1 et 3 épisodes pour cette partie. Peut-être un épisode pour aller chercher là, cette ville qui est là, je crois, quelque part par là. Et en parallèle, en parallèle, je ferai ça. Ouais, ça va aller très très vite. Ça va vraiment aller très très vite. Ah ouais, non, il faut la province en entière. Ouais, je monterai deux armées, puis basta, je ferai une armée de mercenaires. Allez, donc je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain épisode demain. C'était Tiob. Ciao.